Tout à l'heure, on va les couper pour le courage, mais on n'est pas nombreux. On voit qu'il y a des Hellman connectés, mais il y a pas de Cléo. La fatigue de se voir, c'est un des chaînes par téléphone. Hello, hello. Oh, Gilles, tu es bien loin. Tu es loin. Oui, oui, carrément. Ouais. Non, mais tu vois rien. Tu vois rien. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Oui, Gilles, t'as trop chaud là-bas, mais il y a du vent, on dirait. C'est une photo, non? Non, les feuilles s'agitent. Oh, je ne crois pas, moi. Ce sont des images virtuelles, il paraît. C'est pas réel. Ce sont des images virtuelles derrière vous. Avec ou sans lunettes, c'est pareil.
5h05. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, attends, là, il y a un petit... Bruno, attends, pas encore, mon cher. Voilà, on est très heureux de se retrouver tous, enfin, ceux qui sont là, voilà, on passe un petit moment ensemble, sympa. Et merci à Benjamin qui a bien voulu revenir faire un petit peu de jazz. Bon, c'est l'entrée d'une tombola. Voilà le son un peu ce qu'il est, mais c'était sympa. Benjamin en fait nous a quitté vers le mois de mai-juin parce qu'il n'y avait plus de culte rue Madame avec les questions de confinement, etc. Il a retrouvé heureusement du travail dans plusieurs églises catholiques. Elles sont plus nombreuses au coin de la rue que protestantes. Donc, il joue et il m'a dit qu'il donne aussi des cours de piano à distance en se filmant les mains pour improvisation. Enfin, c'est ce qu'il fait. Voilà, il nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui pour cette petite introduction. Et là, il va lui-même filer maintenant parce qu'il a une messe à assurer dans la soirée. Donc, il repart. Voilà, alors on va enchaîner sur le tirage de la tombola. Vous voyez que Bruno, Monsieur Loyal est... tout à fait prêt et avec son petit-fils aimable qui va tirer un certain nombre de numéros parmi les 1121 numéros de tickets qui ont été achetés. Donc il a ça dans le grand sac. Bruno a passé la semaine à faire des petits papiers pour arriver à 1121 et donc ils vont tirer. Voilà, alors après le tirage, on aura Andreas qui nous fera un petit morceau de Bach. Finalement, on est pas sûr, un petit morceau, mais en 7-8 minutes. Le son sera ce qu'il est, j'en sais rien. Là, on sera un peu plus recueilli en fermant les micros, on verra ce que ça donne. Et ça sera notre petit moment terminé avec ça. Voilà. Un point d'attention, je viens de cliquer sur enregistrer ce que nous sommes en train de dire et nous voir pour et le tirage qui va avoir lieu pour pouvoir essayer de faire un replay sur le site de la paroisse. Là on est en pleine. Bon, si d'autres gens voulaient le regarder, en particulier, il y a une soixantaine de gens qui ont acheté les tickets de Tombola, donc ils pourraient le voir en différé. On va voir si ça fonctionne. Donc, si certains ne souhaitent pas être filmés et enregistrés, parce que ça serait sur YouTube, peut-être demain, vous avez simplement à fermer votre vidéo, c'est tout, et puis il y aura une case noire. Voilà, alors je vais maintenant passer la main à Bruno. Merci Dominique. Le micro d'Annette. Mais 17 lots. Pourquoi ? Parce que nous sommes aperçus que l'injustice avait été classée en numéro 17, le plus beau des lots, qui est un cours de cuisine grecque par Pénélope Caspar-Karidis, la trésorière de l'entraide. Et donc, Amable, qui a 5 ans et qui est innocent, va tirer le 17e lot. Vas-y, mon chéri, tu me le donnes. Allez. Alors. Le 17e lot a été gagné par le numéro 996. Ah. 996. Est-ce qu'on connaît le nom des gens parce que je n'ai pas le numéro du... Claire Camaché. Yann.
Yann Camaché. Je vous confirme. Bon, elle a gagné. Alors maintenant, nous tirons le numéro suivant, le 16, qui est une bouteille de champagne. Vas-y, mon chéri. On viendra dîner chez Diane. Oui. C'est le numéro 1079. Le numéro 1079 gagne une bouteille de champagne. Qui est Katia Marjorie. Katia Marjorie. Bravo. Et maintenant, nous allons tirer le numéro 15, qui est une... Vous ne la reconnaissez pas, c'est Claire Camaché, la maman de l'heureuse gagnante de la cuisine grecque. Alors, c'est une crème liqueur au cognac, amable. Amable. Mille cent neuf, la crème de cognac. C'est encore Katia Marjorie. C'est à nouveau Katia Marjorie. Oh là là là. Et pourtant, c'est sûr, je l'ai beaucoup remué. Bravo. Coup de sac, s'il vous plaît, coup de sac. Nous dirons quoi, Claire ? Et il y a tous les numéros, là, il faut remuer, c'est que les mille qui montent. Un parfum Hugo Boss. 1116. C'est-à-dire ? C'est Galois, c'est Auguste Galois-Cochet. Auguste Galois-Cochet. Allez, on remue. Très bien, ce jeune homme. On remue le sac. Les numéros commencent à 1, hein, ils ne commencent pas à 1000. Alors, l'eau suivante, Claire, viens te présenter, ne te cache pas, tu as été reconnu. Un vide poche, Villeroy et Bosch. Allez. Qui ? Disons, 1100. Mais oui, je t'assure, ils sont. C'est un vote. Encore Katia Marjorie. Remuez le sac. Les numéros. Moi. Voilà. Bravo, Marc. Allez. Il y a un suspense extraordinaire. Les numéros commencent à 1, je vous signale. Hein, jusqu'à 1106. C'est encore Katia. Allez, c'est Katia Marjorie. Mais pourquoi tu trouves toujours dans le... T'as acheté combien de carnets? Tu as gagné quoi, là, le quatrième, c'est quoi? 1106, c'était quoi? Tu nous l'as dit, un 8 poches, elle va être contente, Katia. Oui, je suis très contente. Combien as-tu acheté de carnets? J'en ai acheté 6. Ah, oui, bravo. Alors, ça monte. C'est le lot numéro 12. Un cognac VSOP. Oh ben non, alors il n'y a que de la boisson, c'est pas très intéressant. Allez monsieur, ne nous faire pas le 1107, hein. Sinon je dois nous fesser. Non, 183. Ah. 183, Pénélope. 183. Catherine Adam. Ah ben elle est là. Elle est là. Du cognac. Allez. Nous tirons le numéro 11. Vous avez tous bien fait de venir. Hein. Je n'ai pas entendu ce que j'avais gagné. Alors, 1072. C'est encore Katia, ça ? Non, on ne se voit pas. Non ? Non, 1072. Katia. C'est vrai ? C'est encore Katia. Voilà, oh là, là, avec ta main, tu cherches par-dessous. Et qu'est-ce on que était habitué les autres années à ce que ce soit Bruno qui gagne tout. Et qu'est-ce que c'est le cadeau, là? Alors, cette fois-ci, 959, un plat fabriqué par... Frédéric Krebs, à la main. 959, c'est qui? C'est Janine Schricker. Alors, je confirme. Ensuite, il y a un suspense épouvantable. Une toilette, montre-la à l'écran. Emporio Armani, allez. Le 316. Ah.
316, Pénélope. 316, c'est Josiane Thiébé Dupas. Oui. Tout le monde a compris. Josiane Thiébé Dupas. Alors, ça commence. Attention, parce que là, ça c'était le 9, hein, c'est ça. Mais attention, on n'a pas tiré le 10 encore. Attention. On a fait le. Oui, mais attention, parce qu'il y a le lot numéro 10 qu'on n'a pas encore tiré, ce n'est pas bien grave, parce que c'est la formation individuelle de 3 heures à l'usage d'un micro-ordinateur, par un PC, initiation perfectionnement, confection document Word, contact à convenir avec Bruno Martin Lapra. Lot numéro 10. J'espère que ça ne va pas être moi qui vais gagner. C'est Bruno. C'est le 846. Ouais. 846, 3 heures. Gérard Hildin, Bénard. Bonjour Gérard. Je viendrai avec plaisir te perfectionner ton Excel. Mais si tu veux, tu peux passer le cours à un de tes enfants. Je t'embrasse. Alors, maintenant nous sommes au 3. Non. Visite conseil à paysagerie professionnelle, etc. Charlotte Perrin. Tu n'as pas la liste de. Alors, nous sommes au 7. L'Emporio Harmonie, c'est déjà parti. 7. Visite conseil d'un paysagiste professionnel. Pour mettre un peu de verre à votre balcon. 2 heures de rendez-vous chez vous, petit compte-rendu écrit pour un printemps fleuri à convenir avec Charlotte Perrin. Formidable. C'est le lot numéro 7. Vas-y, mon chéri. Allez. Heureusement, il ne regarde pas, hein, Amable. Alors, c'est Katia Marjorie. Non. 248. Katia, c'est pas toi. 248. Boisjol, Anne, de la chorale. Tout à fait. Bon. Alors, le lot suivant. Une caisse de 6 bouteilles de vin de Grave, la Croix Martignac, de la maison Tresmar. Lot numéro 6, du Pierre-Montéry. Attends que je remue pour que tu ne donnes pas ça encore à Katia Marjorie. Allez. 1071. Pas mal, tu as déjà tiré 1072. 1071, c'est Katia. C'est Katia. Je vais te donner une fessée. Ouais. Peut-être abrégé, donner tous les lots qui restent à Katia, si on gagnera du temps. Oui, ça, on donne tout. On va venir pour un coup chez toi, Katia. Hein. Ouais. Alors, maintenant. Exactement, et tout ça, c'est bien l'accordéon. Une bouteille de prestige de cognac Brastat, lot numéro 5. Et voilà. Allez, tire. Pourquoi on dit. Le 413. Ah, quand même, on descend. Myrtille Dumière. Elle va être contente. Tu notes tout ça, je vois, parfait. Elle est parfaite, cette pédagogie. Alors, maintenant, nous en sommes. Juste après. À un coffret en loupe d'orge. De temps en temps, nous faisons une exception. Montre-la. Tu la vois là ? Allez, tu tires. Elle est très belle fermée aussi. Allez, vas-y. Coffre 19e. 835. Martinillon. Voilà. Alors, maintenant, nous faisons là. C'est une photo individuelle ou de famille. Montage de photos par Karine Sicard-Boubatier, l'épouse de notre trésorier.
photographe professionnel. Vous vous souvenez peut-être de l'exposition magnifique de Diaconès de Poli, qui a été donnée à Andemont. Et elle, elle fait des photos. Géry, tu tires. Non, on ne prend pas les randonniers. 918. François Mater. Il va faire photographier Dorothée. C'est une bonne idée. Alors maintenant, coup de 5. Attention, une photo signée Arganatus Bertrand. Elle mérite d'être regardée de près. D'arbre de vie au Kenya. Une magnifique photo prise. Elle était visible sur le site. 842. Combien? 842. Gérard Hénin. Bon, écoute, je t'assure que j'ai... Tous les numéros, ils sont, hein, croyez-moi. J'ai passé au moins 2 heures à les fabriquer. Alors, maintenant, c'est le boulot. Jeté de carnapé Hermès. Alors, on va le montrer quand même. Voilà, je l'ouvre. Voilà. Et maintenant, Amar. Allez, on a pris un. Allez, un seul. Hein. Le 347. 347, et là. Une fois, deux fois. C'est Poche-Meloche-Cacca. C'est ma soeur. Ah, c'est la soeur de Pénélope. Bravo. Père de Pénélope. Bravo. Bravo. À cause du Covid, je ne t'embrasse pas souvent. Mais cette fois-ci, tu as très bien fait ton rôle. Tu as presque tout donné à Katia, mais tu n'as pas t'embrassé également. Et maintenant, on rend l'antenne à Dominique. Oui. Peut-être que Andrea se met au piano. Je signale que nous avons tiré. Une quinzaine de prénoms. Donc vous aurez la liste. Qu'est-ce qui se passe? Vous aurez la liste des autres lots demain sur le site. Et qui a gagné le gros lot? J'ai pas compris. C'est une inconnue qui porte un nom grec et qui se trouve être la sœur de Pénélope. En Suisse. Elle habite en Suisse. Je sais pas comment elle a réussi à avoir. L'écho de cette importante loterie, à mon avis, c'est par Pénélope. Et voilà, c'est donc la sœur de Pénélope qui a gagné le gros lot. Bravo. Très bien, merci Bruno. Alors, à nous les studios. Merci pour ce beau tirage. Vous avez peut-être vu sur le site qu'il y a une trentaine de lots. Donc, on va tirer, je dirais, en off, les lots 18 à... 30, et on affichera les résultats sur le site de la paroisse. C'est comme les résultats du bac, il faudra venir voir tous les jours le site et en profiter pour regarder les activités, ce qui se passe, etc. Voilà pour ça. Tout à l'heure, en terminant, je dirai un mot de la récupération des lots. Ce n'est pas encore organisé, mais on dira juste ce petit mot. Et donc, si Andreas est arrivé, on va passer... le piano à Andreas, qui va nous jouer un petit Bach finalement, une andante du concerto italien. Là encore, la restitution par Zoom est ce qu'elle est. Andreas va faire au mieux, Zoom fait ce qu'il peut. Alors là, on l'écoute, j'essaye de couper les micros si ce n'est pas le cas. Sinon, coupez chacun votre micro, qu'il n'y ait pas d'effet derrière. Et donc, Andreas, c'est bon, on peut y aller.
Bonjour, et ce sera donc le mouvement lent du concerto italien de Bach. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Capable de me remettre le zoom, là j'ai pas eu le son. Mets-le. Thank you.
Merci Andreas, merci beaucoup. C'est peut-être pour nous une des dernières fois de l'année là, qu'on entend Andreas avant qu'il parte en congé sabbatique pour 4 mois. Enfin, on va peut-être l'entendre une autre fois par d'autres moyens, notamment au culte en vidéo où le son rend impeccablement mieux. Voilà, alors on va clôturer cet événement. On peut dire à Andreas qu'il va nous manquer quand même. Et oui. Il y a Armel qui parle, voilà. Il va nous manquer. Il va manquer aussi, chers amis. Tout à fait. Un grand merci. Donc, on clôture aujourd'hui nos journées de vente et d'amitié qui se sont ouvertes le 25 novembre. Donc, on a fait 2 semaines et non pas 2 jours cette fois-ci en ligne. Un grand merci alors à toutes les dames qui ont fabriqué tous ces produits et articles tout au long de l'année. Vous les avez vus sur le site Edith Elish, Elisabeth Fèvre, Frédéric Krebs, Marie-Christine Demont, Véronique Thierry-Mig qui est là, Claire Camaché, Pénélope, Christiane Vignal, Marie Bonnet, Gisèle Cordé, Marie-Josée Bégon. Merci aussi à Estelle Cressman qui a approvisionner le vin Cressman et en même temps du vin de Bergerac. Merci à tous ceux qui ont offert des lots de tombola, y compris des gens qui ne sont pas là, comme le gros lot et d'autres. Et à l'équipe qui a organisé ces journées, donc Claire Camaché, Bruno Martin Laprade, Charlotte Perrin et Pénélope, qui a non seulement brodé, mais qui a géré toute la vente en ligne, puisque toute la vente passait par Pénélope et repartait derrière. Donc je lui disais, je voyais Pénélope un peu comme au milieu de la chapelle de la rue Madame quand il y a tous les stands et toute personne qui achète vient la voir et voilà, donc c'est assez, elle a beaucoup bossé. Et puis quelqu'un qui a beaucoup travaillé, c'est Moïse aussi, qui a mis en ligne à la fois qui a trouvé le logiciel de Tombola, qu'il a mis en ligne, qu'il a adapté et qui a mis en ligne tous les stands pour la vente, etc., la mise à jour des fichiers, enfin voilà, un gros travail. D'autant qu'il prépare les cours du soir et qu'il est professionnellement en plein boulot. Il est arrivé de me faire un SMS à 3h du matin, j'ai bien reçu le fichier, je te le mets demain matin avant le petit déjeuner. Voilà, c'était chaud, mais pour tout le monde, ça a été de la joie parce qu'on se connecte et c'est le but de ce petit moment où on se retrouve, c'est de créer du lien. Voilà. Donc les journées se terminent, la tombola est terminée, fermée, tirée, donc ça c'est terminé. Par contre, les ventes en ligne continuent, on a dit jusqu'au solde de janvier, donc ça reste ouvert. Et c'est Pénélope, c'est, vous allez sur le site, vous continuez à pouvoir acheter des cadeaux de Noël ou d'autres choses. Tout ce qui sera acheté avant le 31 décembre, avant le 31 décembre rentre dans l'escarcelle d'Elp pour cette année. Ce qui sera acheté après, c'est pour 2021, c'est une autre année. Alors il nous reste en particulier une vingtaine de caisses de vin de Bergerac, parce que le Bergerac on l'a fait approvisionner et puis on le revend à la vente, alors que le Cressman, on a dit à Estelle, tu approvisionnes rien, selon les commandes, on les passe et tu amèneras ce qu'il faut. Bon, on est plus branché avec les Cressman. Donc, on a une vingtaine de caisses de Bergerac qui sont en stock à 43€ la caisse de 6. Donc, n'hésitez pas, allez-y, c'est une très belle région, le vin est bon. Je vois Odile de Bettman est là, elle connaît. Donc, elle certifie. Et tu peux mettre ton micro, Odile, hein, si tu coches en bas à gauche. On n'est qu'une quinzaine, donc on pourra tout à l'heure mettre les micros. Oui, voilà, bah voilà, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, bien sûr. D'accord, très bien. Merci. Où est-ce qu'on va chercher les caisses de vin? Alors, voilà, on a les caisses de vin, c'est rue Madame. Et on va, lundi, on va s'organiser pour voir ce qu'on peut faire comme retrait des lots rue Madame. Et aussi de la vente en ligne. Donc, on va revenir vers vous parce que c'est pas encore organisé. On attendait un peu les conditions sanitaires pour la vente en ligne. L'idée pour la vente en ligne, c'est autre chose que les lots, c'est que les dames qui ont leurs articles, leurs produits amènent tout ça un jour rue Madame. Alors peut-être masqué, etc. Et on fait les paquets par acheteur qui a 2 confitures d'Edith Elish, 3 masques de ceci et 1 caisse de vin. Donc, d'accord. Le petit travail qu'on va faire rue Madame, est-ce qu'on arrivera à le faire avant Noël? C'est un peu l'objectif, mais
donc à partir de la semaine qui vient, de lundi, où il y a des choses qui seront décalées en janvier. On va communiquer très vite avec vous, c'est à partir de maintenant. Voilà, et qu'est-ce que j'avais d'autre? Voilà, on va communiquer à la fois sur l'hebdo, mais l'hebdo c'est une fois par semaine. S'il faut faire un mail, par exemple, mardi à tous, on pourra le faire, hein. Voilà, mais écoutez, avec ça, nos journées sont terminées. Donc, bonne suite à tous. On va souhaiter bon Noël, on n'y est pas encore, aussi bien que possible dans les conditions où on est cette année. Et avant de se séparer, on peut ouvrir les micros pour se dire au revoir, parce qu'on est une quinzaine. Donc, c'est comme une réunion de conseil presbytéral ou de... Mais pas non plus une réunion de chorale, malheureusement. Mais non, pas encore. Tiens, j'admets quelqu'un qui vient d'arriver, Alexia Taille, elle arrivera pour la petite ouverture des micros. N'hésitez pas à ouvrir avant qu'on quitte. Un grand merci à toi, Dominique, à toute l'équipe qui organise. C'était au pianiste. Andréas vient de rentrer dans mon bureau. C'était un bon moment et pour une année exceptionnelle, grand, grand merci. Comme disent les coureurs cyclistes, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, notamment le son. Voilà, là, il faut qu'on s'améliore nettement, mais ça sera pour 2021. Ah, salut. Ah, voilà, Andréa. Mais beaucoup, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à avoir écouté Andréas pour un morceau que j'aime infiniment, comme il peut le deviner, puisque je suis une inconditionnelle de Bach. Et voilà, je regrette qu'on ne puisse pas le voir pendant les 4 mois, mais ça, c'est son problème. On le retrouvera. Et merci à Christian d'assumer tout ce qu'il a assumé et ce qu'il assumera sans Andréas. Voilà, merci Christian d'avance. Je vous promets que je ne me mettrai pas au piano. Ça, c'est comme vous voulez. Peut-être qu'il faut mieux pas, mais on ne sait jamais. Une belle équipe de conseil presbytéral et un bon président, un nouveau président. Voilà. Je ferai encore le culte, le veillé avec Christian le 24 et le culte le 27. Donc vous me... Ah bon, donc on peut encore vous revoir alors. De Noël avec les enfants, donc ce dimanche que nous avons préparé ensemble avec beaucoup de plaisir. Comment? On n'a pas encore de Noël, la veillée de Noël, on va en parler en conseil presbytéral, je crois, mardi, hein, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Rien n'est encore. Elle est avec les gens ou elle est par Internet? On mettra ça sur le site mercredi, parce qu'on a mardi soir le conseil presbytéral qui va avec les conditions, avec les contraintes, voir un petit peu ce qui est possible de faire. Donc, réponse mercredi. D'accord. Oui. Moi, j'attends les infos de pied ferme, parce que j'apprécie beaucoup les cultes en visio. Je trouve que ça fait beaucoup de bien. Ça m'arrive même de les écouter plutôt l'après-midi que le matin, en fonction de ce que j'ai à faire, mais je les écoute régulièrement et je vous remercie infiniment. Pour moi, c'est très important et j'attends avec hâte d'avoir justement des infos pour le culte de Noël que je voudrais partager avec ma famille. Merci d'avance, en tout cas. D'autres interventions de l'un ou l'autre? Andréas, évidemment, va nous manquer. Ça ne veut pas dire qu'avec Christian Bacuette, on n'est pas content. Pas du tout, hein, on est très content aussi, bien sûr. Mais bon, c'est quand même... une présence importante, on va dire. Et merci pour le concerto italien. Mais il aurait pu jouer aussi la première partie. Ah, je l'avais prévu aussi, mais ça a été un petit peu trop long, je pense. C'était trop long, mais moi aussi, parce que c'est celle que je préfère. Je suis d'accord. D'accord, je comprends. La prochaine fois, alors, Andréas, quand vous en faites. La prochaine fois, promis, je vous le jouerai un jour. Soit à l'orgue, très beau aussi. Ah, ben pourquoi pas, oui. Bon. Bon, bah merci à tous. N'hésitez pas. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Bravo à Katia qui cette année a explosé. Quelque chose, justice est bonne. Katia a gagné pas mal de choses, mais elle avait quand même pris 6 carnets. Oui. Voilà. Moi, j'ai l'impression que la main avait les consignes du tir de 900 à 1000, 1100. En dessous.
Hop. Bon, il y a Bruno qui est en train de dévoiler le studio. Moi, je croyais que tout le monde avait compris que j'étais chez moi. Non, oui. Il n'y a pas de réunion, madame, c'est interdit. Un grand merci, hein. Merci à l'équipe d'ELP de nous avoir fait vivre ce moment et tous ces moments depuis le début des journées d'amitié. Merci c'est Dominique. C'est un bonheur, comme toujours, de faire et de faire du lien, etc. On se fait plaisir en faisant plaisir. Quoi. Voilà. Merci Dominique, merci beaucoup. Oui. Merci Dominique. Bon, ben, écoutez, merci à vous tous d'être venus. On était quand même 10 au maximum, c'est pas mal du tout. Oui. Bonne soirée, bonne suite, et on se dit à très bientôt sur le net, voire plus. Oui, bien sûr. On espère. Au revoir. Allez, voilà, au revoir et merci. Au revoir. Au revoir, au revoir, bonne fête. Bientôt. Au revoir, Katia. Merci, à bientôt, je vous embrasse. Allez, moi aussi. Au revoir, à la chorale. Au revoir.